Salut toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, eh bien, je vais te montrer les créations que j'ai réalisées tout au long du mois dernier, le mois de février. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai été plus que raisonnable. Il y en a un petit peu moins d'une trentaine. Ça va? On va pas se plaindre. Malheureusement pour moi, plus de la moitié, c'était des bijoux que je devais poncer. Et cette fois-ci, je me suis pas chronométrée, quand même pas. Mais je me suis installée devant la télé, j'ai lancé une série et j'ai quasiment fait une saison entière. J'ai passé presque 4 heures à poncer. C'était énorme. Alors peut-être parce que du coup j'étais distraite face à la série. Du coup je ponçais beaucoup moins vite que quand je me concentre que à faire ça. J'en sais rien. Mais en tout cas ça a duré quand même 4 heures. C'était long. C'était très long. Merci Netflix. Heureusement que t'es là pour passer le temps. N'importe quoi. Donc du coup, tous les bijoux que je vais te présenter dans cette vidéo seront déjà disponibles sur ma boutique et le lien est en barre d'infos. Et bien évidemment, comme d'habitude, je dis ça, je dis rien. Il n'y a aucune obligation. Que dalle. Juste une petite question. Parce que je suis gauchère, alors j'ai l'impression de faire tout à l'envers. Quand tu mets le fermoir sur le collier, tu mets de quel côté? Pour les colliers. Juste pour savoir. Parce que à chaque fois que je fais le montage de mes colliers, j'ai l'impression que je mets le fermoir à l'envers. Mais je suis pas sûre, je sais pas. Donc si quelqu'un peut m'aider, de quel côté il faut mettre le fermoir? Bon, alors bref, trêve de blabla, on va essayer de faire vite pour une fois. Ça va pas gagner. On va faire ça. Et je vais te montrer toutes les créations que j'ai réalisées tout au long du mois de février. Et c'est parti, let's go. Donc on commence avec les premiers bijoux et j'ai essayé de faire des géodes. Tu sais, les petites pierres, là, les jolies petites pierres. Bah, en polymère, c'est compliqué à faire des vrais comme ça. J'ai essayé de faire de mon mieux, voilà. Alors j'en ai fait deux sortes différentes. Et à chaque fois, il y en a deux. Il y a deux bijoux dans deux sortes. T'as compris? Bon bref, regarde, ça sera plus simple. J'en ai deux dans les tons bleus et deux dans les tons noirs. Et à chaque fois, il y a la petite paire de boucles d'oreilles assortie offert ton cadeau. Et ça, c'est génial. Il y a deux colliers classiques, plus ou moins. Et les deux autres, c'est façon attrape-rêve, entre guillemets. Si on peut dire ça comme ça. À l'écart, elle est toute seule, je l'ai même pas mis sur la boutique celle-ci, j'attends encore, je sais pas pourquoi, mais bref, j'ai une petite paire de boucles d'oreilles qui est toute seule, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, on verra bien. Ensuite, le collier suivant, c'est avec une... J'ai réalisé une canne feuille et puis j'ai fait un bijou avec cette canne feuille, tout simplement. Mmh.
Ensuite, les trois bijoux suivants, c'est un ensemble. Enfin, c'est pas un ensemble, mais ils vont. C'est à partir du même bijou. Enfin, du même. C'est horrible, là, je suis perdue. Je me perds toute seule. Les trois bijoux suivants, c'est par rapport à des plaques que j'ai réalisées. Du coup, j'ai fait plein de bijoux avec. Enfin, j'en ai fait trois. Voilà. J'ai les mains gelées, là. Bref, du coup, le premier, c'est un espèce de petit plastron. Plus ou moins. Ouais, j'appelle ça comme ça, mais bon, c'est pas vraiment. Voilà, hein. Avec les petites boucles d'oreilles assorties, offert ton cadeau. D'une des quatre plaques pour réaliser le plastron, et eh bien j'ai fait ce petit bijou là, ce petit collier, ce petit sautoir avec les restes. Et avec les restes des restes, et eh bien j'ai fait ce troisième collier là, façon patchwork mosaïque, comme j'aime si bien faire avec tous mes restes, parce que j'aime pas faire de gâchis. Et que j'utilise toujours tout. Et une petite paire de boucles d'oreilles assorties offerte en cadeau. Et la perle aussi, c'est avec les restes. Les trois bijoux suivants, ce sont des parures cette fois-ci. Parce que d'habitude, je suis toujours les colliers avec les boucles d'oreilles offertes. Mais là, c'était. Je sais pas comment dire. Mais je voulais faire une parure, je trouvais que c'était mieux. C'est que bon point de vue. Bref, du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de parure, donc comme ça, ça tombait bien. Bref, j'ai trois parures complètement différentes. Ça n'a rien à voir, les trois, c'est quel. Pff, ils sont à l'ouest. Non, pas à l'ouest. Oh purée, c'est moi qui suis à l'ouest là. Mais ils sont tous les trois, ça n'a rien à voir, rien, mais rien, rien de rien. Mais c'est trois parures quand même. Bref, voilà. On va commencer avec la première. Bah, en fait, les trois, je les adore, mais c'est vrai que là, je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup particulièrement. C'est comme des espèces de petites pierres dans les tons bleus, montées sur un chandelier, façon ethnique, aztèque, antique. Voilà. Et les petites boucles d'oreilles en forme de pierre aussi. La deuxième parure, je l'ai appelée floraison. Parce que c'est venu tout seul comme ça. Donc, je cherche pas à comprendre. Et du coup, c'est un collier avec une paire de boucles d'oreilles. Et la troisième parure, c'est black and white. Noir et blanc, si tu préfères. Et pareil avec un collier et une paire de boucles d'oreilles. Les trois petites parures là, je les adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup le style. Complètement différent. Les trois, ça n'a rien à voir. Ils sont tous à l'opposé les uns des autres. Mais je les aime tous les trois autant. Pour une fois que j'aime ce que je fais, c'est rare. Ensuite, le collier suivant, j'ai réalisé une canne fleur, tout simplement. Enfin, c'est plus une canne pétale de fleur. Et avec cette canne pétale, j'ai réalisé une fleur, tout bêtement. Et du coup, j'ai réalisé la fleur de pensée, dans les tons bleus, bien évidemment. Ah oui, du bleu, toujours du bleu.
Je l'ai mis sur une petite estampe et du coup j'en ai profité pour faire des petites pampilles en dessous pour faire comme un attrape-rêve, parce que j'adore les attrape-rêves. J'essaie d'en foutre un petit peu partout à chaque fois. Le collier, oubliez-vous. Le collier suivant, je l'avais déjà fait deux fois sur la boutique et il est parti très rapidement. Du coup, je l'ai fait une troisième fois. Voilà, parce qu'en plus on me l'a réclamé. Donc à mon avis, il va pas faire long feu non plus celui-là. Je sais pas pourquoi ça fonctionne ce genre de bijoux, c'est bizarre. Non, c'est bien. C'est rigolo, moi j'aime bien. Enfin rigolo, non. Mais bref, du coup, j'ai refait le cœur transpercé par une paire de ciseaux. Et l'autre collier, vu que j'étais restée un peu dans cet univers-là, un peu glauque, entre guillemets, enfin plutôt anatomie, sur l'anatomie de... sur notre anatomie, et ben j'ai décidé de faire une cervelle bien ensanglotée, bien juteuse, là, bien... une bonne petite cervelle bien fraîche. Avec le sang qui a dégouliné partout, j'en avais plein sur les mains, c'était très mignon à voir. Les trois bijoux suivants, c'est des petits pendentifs. Et comme je l'avais déjà dit plusieurs fois, les pendentifs, en fait, c'est juste des pendentifs. Et quand tu commandes sur ma boutique, tu m'envoies un message en me disant ce que tu veux que je fasse avec ce pendentif. Un collier, un sautoir, un rade-cou, un porte-clés, un marque-page. Je m'adapte selon le stock disponible. J'ai pas un stock énorme non plus, donc je fais avec les moyens du bord. Voilà. Sans aucun frais supplémentaire. Voilà. Donc du coup, là, j'ai trois petits pendentifs. Et puis voilà. Donc la première, c'est une petite fée sur des pierres. J'aime bien les pierres, en ce moment j'en fais partout. Petits cristaux, c'est plus simple. Donc c'est une petite fée qui s'est endormie sur un cristal. Bon, il y en a même deux. Enfin, elle est allongée sur les cristaux. Et derrière, j'ai essayé de faire une nuit étoilée avec plein de paillettes. La deuxième petite fée, j'en avais déjà fait une dans ce style-là, puis elle avait été vendue sur ma boutique. Du coup, j'ai voulu refaire une autre parce que j'adore, je trouve ça trop mignon. Et ça change. C'est une petite fée, mais vue de dos. Et elle a pas froid aux yeux, mademoiselle, parce qu'elle est complètement à poil. Et du coup, elle montre son anatomie, si tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref, tu regardes, hein, tu verras, tu comprendras. Et je crois qu'on aimerait tous être aussi bien volés que cette fée. Et elle est assise sur une petite branche avec des roses rouges pour faire un petit clin d'œil avec le bandeau qu'elle a dans les cheveux. Troisième petit pendentif, on me l'avait réclamé aussi. Il était temps, ça fait un moment. Je l'ai enfin fait. C'est le principal. Mieux vaut tard que jamais, comme j'aime si bien le dire. Hein. Et bah, j'ai refait le petit stitch parce que je l'avais déjà fait plusieurs fois. Il avait été vendu à chaque fois. Donc bah, j'en ai refait encore un nouveau. Voilà, bref, un petit stitch. On termine avec les derniers bijoux et c'est une espèce de petite collection, plus ou moins, si je peux dire ça comme ça. Il y en a 5. Et en fait, je me suis... comment dire? Je sais pas m'exprimer, en plus c'est horrible. Je me suis décidée à faire tous les mois un univers Disney avec plusieurs petits bijoux dans le même dessin animé. Si tu veux. Non, je... Non, alors là, si t'arrives à me suivre, franchement, t'es trop fort. Hein. Putain. Bref, là, ce mois-ci, j'ai décidé de faire La Belle et la Bête. Et du coup, j'ai essayé de faire un maximum des personnages qu'on peut retrouver dans le film de La Belle et la Bête. Ah, c'est peut-être mieux dit comme ça. Et du coup, tous les mois, je vais essayer de faire un Disney différent. Là, le mois prochain, je vais essayer de faire l'univers d'Ariel, la petite sirène. Et les autres, moi, je sais pas, on verra au fur et à mesure. Bref, du coup, là, ce mois-ci, au mois de février, c'était La Belle et la Bête. Et j'ai fait quelques petits personnages du film La Belle et la Bête. Le dessin animé, je précise, hein, pas le film. Donc j'avais déjà fait la bête,
il y a quelques temps déjà, je sais plus quand est-ce que c'était, bref. Et là, j'ai fait quelques autres personnages. Je les ai pas tous faits, mais j'en ai fait 5, enfin 6. Mais il y en a un, c'est une paire de boucles d'oreilles avec deux personnages différents. Bah, allez, bref, vas-y, regarde, ça sera plus simple. Donc du coup, on commence avec Belle, tout simplement, dans sa jolie robe jaune. Dorée, jaune dorée, ouais. Dans une fiole, et pour représenter les pétales qui sont tombés, je les ai remplacés par des strass. Je trouvais ça un peu plus girly. Le chandelier. Ensuite, il y a Big Ben, la grosse horloge. Madame Samovar et le petit zip, donc la théière et la tasse à café. Voilà, que j'ai fait en boucle dorée parce que je trouvais ça plus mignon comme ça. Voilà. Et bah oui, c'est fini, ça y est. Vous montez? Ouf, doucement quand même. J'ai une belle écharpe. Doucement. Ah oui, ça va être vachement confortable ça. Installe-toi, t'as raison. Tu restes avec moi pour dire au revoir? Mais t'es lourd à bout de bras comme ça, hein? Non, mon chat. En plus, c'est mon bras droit, j'ai pas de force dans le bras droit, moi. Bon, bref, du coup, voilà, j'ai fait tout le tour des créations que j'avais à te montrer du mois de février, tout bêtement. Donc, si jamais t'as des idées de tuto, n'hésite pas à me le faire savoir, parce que si je peux le faire, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Y a pas de souci là-dessus, faut juste être un petit peu patient. C'est tout. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire tout ce qui te passe par la tête en commentaire. Comme d'habitude, et j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Même si là aussi, il faut être un petit peu patient. Je suis longue à la détente, mais je finis toujours pas le faire parce que c'est la moindre des choses. Et... tu y perds cette fois, ça chatouille. C'est chatouille, mon chien. Pff, non, s'il te plaît, pas le cul. Il y en a. Oui. Et là, t'as fini? Oui. Ah, il lui dégriffe, ça fait mal. Donc du coup, ça y est, c'est le moment de couper coin à cette vidéo. Alors moi, je te fais tout plein de gros poutons. Il descend. T'es beau, mon chat. Des poutons. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!